Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode combien? Je veux vous entendre! Bah non, je ne peux pas vous entendre en fait. On se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur Resident Evil Separate Ways. Évidemment, comme d'habitude, 4K, 60 FPS, on se fait plaisir. Et j'avais une quête qui m'a été proposée et qui me paraît pas si évidente que ça. Je dois trouver 5 insectes géants. Mais il se cache, donc moi je pense qu'il faut que j'utilise mon sniper avec ma lunette évidemment thermique, étant donné qu'on sait que les insectes peuvent se mettre invisibles. Oh, attends quoi? Attendez. C'est ça? Et il lâche un truc ou pas? Ok, et de 1. Très bien. Alors attendez, très bien. Bon, j'en ai trouvé qu'un, ça c'est... Ah, j'en ai reçu dans l'œil. C'est fort embêtant. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? Toujours rien. C'est dans cette zone, hein, vous l'aurez compris. Je regarde à ces endroits peut-être improbables, c'est vrai. Mais bon, sur un malentendu, écoutez. Ok, on va prendre un peu de hauteur, on sait jamais. Bon, on en a une. Un insecte, pardon, excusez-moi. On dit un insecte ou une insecte? On dit un insecte, évidemment, c'est masculin. Même si en 2023... J'ai envie que ça me retombe sur la gueule. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, ça va être très très dur de... Ok. Ok. Bon. Alors, il paraît que les falaises aussi. Ça, c'est embêtant, ça. Ça. Où peuvent-ils bien être, hein? On commence par une petite quête secondaire, mais enfin écoutez, je vais mettre trop. Ok. Oh, une autre. Deux sur trois. Les falaises, c'est là. Hein. Ah, y a moyen, hein. Oh, waouh. Alors, attendez. Ça peut être partout. Ça peut être contre un mur comme ça. Je l'ai. Impeccable. Et voilà. Impec bien. Écoutez. Quête, c'est fait. Waouh. Et ben franchement, elle était trop trop cool cette quête. J'ai grave kiffé. Voilà. Ok Google, lance la kiffance. J'ai vraiment kiffé. C'était trop trop cool. Et on l'avait jamais faite en plus. Donc là on va pouvoir rééchanger. Trop bien. C'était une très bonne idée. Merci à vous de nous avoir fait un peu croquer ce plaisir un peu fondant et croquant. Et les amis, en 4 minutes, on se fait 8 spinels, c'est plutôt cool. Alors, acheter peut-être, donc, qui plus est. Échanger. Qu'est-ce qu'on a de beau? On peut avoir une clé pour 9 spinels. Tout me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir. Eh bien, écoutez, on va attendre un petit peu. Pas de soucis. Ah, une petite save! Ça, c'est pas trop, je peux te le dire. Let's go. Une petite save. Allez. On est reparti les amis, on continue la suite de notre aventure. J'aurais pu réparer le couteau. Est-ce que je vais le regretter? Eh bien j'ai envie de vous dire réponse très bientôt. Et on y va, on est toujours dans l'acte 2, c'est-à-dire le château. On n'a toujours pas quitté le château. Et là on a Krauser qu'on va devoir, je pense, arracher.
Et Krauser est bien infernal. Et je ne suis pas expert qui plus est en couteau. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Hey, j'ai l'impression qu'on est resté 8 ans dans cette phase-là. C'est assez terrible. Hop. Allez. On est pour qui ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Hop, c'est bon, on peut monter. Il y a peut-être un boss direct, je sais pas, une petite cinématique. En haut des échelles, il y a souvent des petites cinématiques. Ok, je peux monter ici. Ils me l'ont bien fait comprendre. Ashley ! Léon ! Comme vous êtes stupide, monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler, et pourtant... Tu parles d'échouer... C'est bien. Occupe-le encore un peu. Ah. Ça, c'est pas cool. On a rien ici ? Y a pas un petit bonus, quelque chose ? Non ? Quel dommage. Ok, bon, c'est pas en jaune pour nous faire comprendre que c'est là-bas qu'on doit aller. Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais devoir m'occuper de Krauser? Mais il y a moyen qu'il me démonte en plus, non? Il y a moyen qu'il me percute la gueule? Oh, j'ai tellement pas hâte qu'on affronte les Regenerados. Hein? Vraiment pas. Où ça en est? Krauser s'est emparé de l'ambre. Tu continues de me décevoir. Je vais le récupérer, ne vous en faites pas. J'espère pour toi. La mission doit se dérouler comme prévu. C'est compris. Oscar, il est hyper énervé, hein. Le client est roi, comme on dit. Petite save ici, à mon avis, c'est pas pour rien, mon petit pote. Je peux te le dire, je m'y connais en save. Ok. Mas. Et ben voilà. Les amis, ils prennent l'infiltration. Ok. Fin de mon couteau très bientôt. Ok. Il y a un truc qui pendouille. Ok. Tout est trop stylé, putain, dans le jeu. Une petite montre à gousset, je dis oui, messieurs, dames. Je dis oui. Superbe ça. Allez, on continue. J'ai utilisé une balle, on va recharger au cas où. Vous savez qu'on n'est pas. Il n'y a pas une balle près. Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez. Waouh. Je suis une moto. Ok, on est reparti. Désolé, la poste a sonné chez moi. C'était pour un gros colis. Merde. Ah bah oui, mais c'était forcément... c'était un jet ski qu'on a entendu, hein. C'était pas une moto, hein. Clé du bateau. On va pouvoir les donner à Lyon. Léon. Fais chier. Tu cherches quelque chose ? Eh bien, direction Lille. Le dernier endroit du jeu, le dernier acte du jeu. Donc c'est parti, hâte de voir un petit peu ce qui va se passer là-bas.
Mais en tout cas, c'est là où il y a le labo et ça me fait très très peur. J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à te poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi, Léon Scott Kennedy, tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête. Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada? Ou tu comptes encore te servir de moi? À ton avis, on y est. Ne te prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Vous êtes là pour quoi, cette fois, et pour qui? Moi ou Sadler? Tout va dépendre de toi. On change de plan. Bien sûr, tu peux toujours refuser. Ce flingue est censé me faire peur? Intéressant. Ok. C'est d'accord. Mais ça vous coûtera plus cher. Sage décision. Je vais t'envoyer les nouvelles coordonnées. Et n'oublie pas, je déteste... Attendre, je sais. Aïe, 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 vous le voyez, le remake de Resident Evil 5 arrivé. Ils ont pas fait venir Wesker pour rien, je vous le dis. Ça risque d'être très 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 intéressant, en tout cas masterclass. Que Wesker soit là. Ok. Attends, on est dans une mission impossible les frères ou... On a changé de jeu les gars? Ok. Il va pas me rester très longtemps. Je peux vous dire que on est rubis sur ongle. Vous l'avez le jeu de mots? Oh d'accord, elle a tapé à côté. Comment t'as fait ça, Ada? Ok, attendez, à peine dans le game. Waouh, il y a des trésors partout. Il y a des trésors partout et des petits chemins nulle part, qui plus est. Très bien. On va la jouer doucement, accroupi. Il se retourne ou il se retourne pas d'après vous? Parce qu'il va pas se retourner le frère. Hein. Je pense qu'il va pas se retourner le frère.
je pense qu'il va pas se retourner. Donc on va passer par là-haut. Ça, c'est vraiment bien aussi, le côté un peu infiltration. Non, vraiment, excellent boulot avec Separatways qui rattrape énormément après la liaison, je pense. Et je suppute avec Resident Evil 5. Donc, très gros boulot de la part de Capcom. J'ai presque envie de vous dire comme d'habitude. Ok, on a un petit document à lire. Pas du tout. Pas du tout, je suis un menteur, excusez-moi. Ok, des petites flèches explose. J'aime bien. Oh, des petites balles de snipers, j'aime bien. J'avoue, faudrait peut-être qu'on achète le nouveau snipers, qui plus est. Alors, attention. Attention, attention. Non, mais comme par hasard, il bouge. Frère, t'es un forceur. Oh, waouh. Ok. C'est incroyable, mais il reste du chemin à faire. Oh, on est dans la réserve. Oui, là où il y avait l'ombre. Là, il y a une très belle scène ici qui va s'y dérouler, qui plus est. Attendez. Ok. Quelqu'un de l'autre côté. Oh, waouh. Il y a du vrai démembrement là, hein, j'adore. Ok. Waouh. On va pas faire les cow-boys très longtemps par contre. Je préfère vous dire. Ok. Très bien. Très bien aussi. Je me suis chié dessus. Minerai de cristal, ça c'est bien ça. Ok. Bon, les amis, c'est plutôt pas trop mal, on s'en est bien sorti. On a fait ce petit assao. Savoir qu'ils m'ont direct cramé, hein. Ok. L'issue est par là-bas. Très bien, une grenade. Oh, grenade lourde. Oh, waouh. Ça fait longtemps qu'on. J'avais oublié que ça existait. Grenade lourde, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien. On verra. On va attendre le prochain vendeur. Bonsoir. Ok. Très bien ça. Très très bien ça, je prends. Très très bien ça, je prends. Superbe. Okay. Il y a vraiment une musique à la Mission Impossible, ça me bute. Ok. C'est pas ici que Krauser va mourir. Oh, les frères. Je distribue des calottes. Que personne ne m'en veuille. Gratuit ça. Y a plus rien derrière? Si. Impec. Très bien. Alexandrite. Alexandrate. J'aime bien. J'aime bien. Allez. On est parti. En plus, j'ai beaucoup de spinel. Là, on va essayer d'améliorer. Faut que je passe par là. Mais je sens que ça va pas être facile.
Ouah, ça passe pas, genre. Ah oui, il y a le délire du... C'est là où on avait pété le mur avec Ashley. Waouh. Bien. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Allez, passe-moi une mallette. Bienvenue. J'ai déjà, encore d'autres ça en vend. En magasin, si tu veux. Ça en vend. Ça en vend. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Ça en vend. Le prix, par contre... Et ça en vend. Merci. Allez, de rien, mon frère. Ça, on achète. Tiens, étrangère. Très bien. 20% les chances de coup critique lors d'une attaque de mêlée. Formule grenade lourde. Oh, ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis. En vrai, les amis, il y a un monde où si je vends mon... Est-ce attendez. Peux... Attendez. On va déséquiper ça. Comment on fait, bordel de merde? Parfait. Et on va lui vendre, hein, je pense, non? Vous en pensez quoi, vous? Hop, ça part à la vente aussi. J'achète tout et n'importe quoi. Vas-y. Une affaire bien conclue. Très bien. Où est-ce que tu comptes mettre ça? Dans Parfait. Ta poche? Non, dans ton cul! Allez. Tiens, étrangère. Ok. Et ça aussi, hein. Qui est pas négligeable. Comme neuf. Et c'est ça pour voir. Alors, j'avoue que j'ai un peu chié sur le reste. J'hésite à vendre l'arbalète, hein, en vrai. Hein. Mais bordel, ça reste une grenade. C'est vraiment pas mal pour se débarrasser de petites merdes là. Écoutez. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Ouais, c'est que 5 000 une arbalète, on va la garder. En quoi puis-je t'être utile ? On va la garder. Merci. Passe de temps en temps voir ce que j'ai en goûté. Non, ça c'est une blague. Heureusement que j'ai checké. Ok. En vrai. Bienvenue. Est-ce que ça servirait peut-être à rien, je sais pas, de garder le... Non de, la lunette, babiole, ça n'a pas on s'en branle peut-être. Le prix, par contre... Non, je sais pas. Qui... Attendez. Je peux l'envoyer au coffre? Ouais, très bien. Les temps. Bah écoutez, c'est plutôt pas si dégueu, j'ai envie de vous dire. On s'en dure, pas vrai. Les temps sont très durs, Bibiche. Les temps sont très très durs. Ça, c'est pour remonter là-haut. Et... Ok. On est pas mal. J'ai bien l'impression. On est pas mal. Ça... Ouais. Ça me paraît pas dégueu, hein. La vraie question, c'est... Est-ce que si on y va, c'est un aller simple sans retour? Et ça, par contre, le doute... Ma bite. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. Épisode assez court, je dois l'avouer, pour un épisode 10. Je suis désolé. Vous pouvez m'engueuler. Vous pouvez me crier dessus. Mais j'ai quand même passé un très bon moment. Voilà, j'ai quand même passé un très très bon moment. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 11. Étant donné qu'une fois là-bas, je ne sais pas pour combien j'en aurai en termes de temps. Donc ça m'embête fortement. Allez, je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire encore une fois. À demain pour la suite de notre aventure. Évidemment sur Resident Evil 4. Bisous tout le monde. Bye bye.